myself. Take me right back to the start. Salut tout le monde, c'est Colin, j'espère que vous allez avec une pété à forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre tuto déco sur Minecraft. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir, je vous présenter comment faire une tour d'observation. Donc perso vous pouvez l'utiliser en survie ou en mini-jeu. Et vraiment c'est un style vraiment j'ai joué un peu avec la couleur du bois, on va dire. Vous voyez là il y a du bois clair, du bois sombre, du bois très clair, mais vraiment j'ai joué sur le bois et puis un petit peu de pierre. Donc c'est une tour d'observation que j'ai fait un style forêt. Donc je pense que sur la petite scène vous aurez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis aussi elle est fonctionnelle, hein. J'ai mis des escaliers, on peut monter sur la tour. Donc elle est fonctionnelle en plus. Et donc voilà. Donc les gens là je vais passer à l'étape de la construction et je vous dis à tout de suite. Et voilà les gens, donc c'est bon, je suis à l'étape de construction. Donc pour commencer vous allez prendre des murs en pierre. Vous allez passer comme ceci, voilà. Et après vous mettez un buteur. Là vous prenez un espacement de 1. Et là vous faites un petit pilier de 4. Là on fait pareil dans l'inverse. Toujours l'espacement de 1, on relève de 4, pareil, on écarte toujours de 1, et là on a fait aussi, voilà. Donc là les gens, c'est la base de la tour. Donc là, on va faire maintenant le début de la structure du bâtiment. Donc pour ça, il faudra des barrières en sapin, des barrières en bouleau et des escaliers en sapin. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez élever les barrières au même niveau que votre mur et vous rajoutez toujours un de hauteur. Comme ceci. Ensuite vous allez en mettre tout le long, vous allez faire un carré pour que ça touche les quatre piliers. Ça c'est fait, maintenant au dessus on va rajouter des barrières en bouleau. Voilà. Et là où il y a les piliers, vous allez remplacer les barrières par des escaliers en sapin en les mettant à l'envers sur les quatre côtés. Voilà, donc là on a le début de la structure de la tour qui est fait. Ensuite on va un petit peu améliorer la structure grâce à des dalles de chêne, des barrières en sapin et des escaliers en sapin. Donc, juste en dessous des barrières, vous allez mettre des dalles en chêne. On va faire tout le tour. Donc c'est un peu pour montrer comme un support. On va dire ça comme ça. Voilà, parfait. Au-dessus, vous allez rajouter des barrières en sapin. Comme ceci, et encore une fois en s'appuyant sur le pilier on va mettre des escaliers de sapin mais à l'envers, toujours sur les quatre côtés de la tour, comme ceci. Ensuite là on va commencer à travailler un petit peu la plateforme d'observation. Donc pour ça il faudra des planches de chêne que vous allez placer au-dessus des escaliers que vous aurez mis au-dessus de la structure. Voilà. Ensuite, sur les côtés, vous allez mettre des escaliers de sapin pour retourner les quatre côtés.
Et là, pour une question esthétique, hein, pour pas vraiment que la tour elle fasse que du bois, j'ai décidé de rajouter des dalles de pierre autour de la tower. Voilà. Donc ça, c'est ok. Ici, on peut recouvrir deux planches en attendant. Là, maintenant, on va faire les coins. Donc là, on va mettre des trappes de chaque côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une deuxième couche de fond. Ah, ça c'est délicat, j'aime pas faire ça, c'est long, c'est une perte de temps. Bref, ça m'énerve. Voilà, vous allez faire comme ça des quatre côtés. Voilà, et une fois que c'est fait, on va en mettre un seul dans chaque coin, comme ceci. Et là, quand vous allez voir, quand on va ajouter les planches, bah, vous allez voir qu'ici ça va bloquer. Donc ce que vous faites, c'est quand vous aurez mis un seul dans le coin, vous en rajoutez un ici et un là. Donc si vous n'avez pas compris, je vais le refaire. Vous en mettez un ici, donc là c'est le centre, vous allez en mettre un en face et un sur le côté. On le sent, un en face et un sur le côté. C'est pareil, un en face, un sur le côté. Voilà, parfait. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre des barrières. Donc tout le long, vous allez mettre des barrières. Voilà. Alors après là c'est à vous de choisir, parce que ce que je vous avais montré tout à l'heure, le fait que ici on en sente un, là vous en rajoutez deux, c'est en fait c'est pour vous, c'est histoire que vous voyez, vous ayez vraiment le chemin pour passer. Ou sinon si c'est plus un style décoratif, on va faire comme j'ai fait de l'autre côté. Donc en gros vous allez casser les deux que j'avais mis là, et ici en gros vous allez rajouter une barrière. Là ici on casse, vous en mettez un là. Donc là en gros c'est deux manières de faire, c'est vraiment c'est au choix, ça dépend de la situation que vous voulez représenter. C'est plus pour un mini jeu, je vous conseille de faire cette méthode là, c'est décoratif, vraiment c'est comme ça. Voilà. Ensuite j'ai prévu l'éclairage pour la nuit, donc sur chaque côté vous allez mettre des torches. Voilà. Et pour détailler un petit peu les rebords, on va mettre des portillons. Donc là, vous avez une barrière au centre. Sur les deux côtés, vous allez mettre les portillons. Donc là, on a le centre. Sur les deux côtés, on met les portillons. Et vous faites ça de chaque côté de la tour. Voilà. Donc là, la plateforme, elle est faite. Ensuite, donc là, on voit qu'on a notre carré. Donc là elle va encore s'élever la tour, là on va commencer à taffer les murs du haut de la tour d'observation. Donc ce que vous allez faire, c'est sur chaque brique vous allez mettre comment ça s'appelle déjà, des murs en pierre. Juste au dessus vous mettez des barrières en sapin. Voilà. Et là vous allez mettre des escaliers pour représenter les murs du côté, donc vraiment là où ça descend du côté de la barrière. Et vous faites ça de chaque côté de la tour. Voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière étape qui sera forcément de faire le toit de notre tour. Donc pour ça, ça va être très simple. Vous allez poser des dalles de sapin sur chaque barrière en sapin pour maintenir la tour. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des escaliers en sapin juste au dessus des escaliers en chaîne, toujours dans la même direction sur chaque côté de la tour. Voilà. Ensuite dans les creux vous allez mettre des planches en sapin
finir, on va rajouter juste au-dessus des dalles de sapin. Donc en gros, on rebouche un peu le toit. Et là, pour l'esthétique, vous allez dépasser justement donc de un bloc, comme ceci, tout autour. Voilà, merveilleux. Et juste là, vous mettez un mur en pierre. Et vous rajoutez la petite dalle. Voilà. Et petit supplément pour la route, vous allez casser les dalles qui sont autour. Et vous allez rajouter des escaliers. Voilà. Et pour soutenir le tout, vous allez mettre une portillon donc sur chaque sortie. Ça. En gros, c'est juste pour le laisser en haut, donc après, les deux autres, vous pouvez les casser. Et pour finir les gens, il reste une étape qui est forcément de rendre fonctionnel notre tour. Donc pour ça, vous allez choisir un côté de la tour. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc vous allez casser le pilier. Et à la place, vous allez placer des planches de chêne. Et on va monter juste en haut. Donc là aussi, on va casser. Et après, c'est bon. Donc ici, vous allez le remplacer par une trappe en bois. Derrière, pour pas que ça fasse dégueulasse, on met des trappes en bois. Sur les côtés aussi, on peut en mettre. Et après, on peut en mettre ici pour faire vraiment comme une question de sécurité lorsqu'on va monter les escaliers. Voilà. Donc là, si vous voulez, attendez, je vais le monter jusqu'en haut. Non, en fait, vous avez rajouté un, voilà, comme ça. Donc en fait, vous en mettez 3 comme ceci. Et dès que vous êtes en haut, vous en rajoutez un. Voilà, comme ça. Et là, vous allez recouvrir. Vous allez faire un carré de 3 x 3. Sauf ici, forcément, on va monter. Et voilà, donc là en fait c'est un petit plus que j'ai rajouté, c'est une sorte de réserve si vous voulez pour stocker un peu, je sais pas, du foin, des ressources, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est un petit plus que j'ai mis pour vous. C'est ici, on peut regarder, en plus on remet des barrières autour, donc bien sécurisé. Donc là on va mettre des escaliers jusqu'en haut, on va remonter. Et si vous voulez, donc soit vous laissez l'escalier comme ça, ou vous mettez une trappe en bois. C'est comme vous voulez. Et attendez, il faudra la mettre à l'envers. Voilà, comment je vais bloquer. Voilà. Et là, si vous voulez, on peut continuer à élever notre sécurité. C'est un petit peu dur. Moi j'aime pas faire ça, ça m'énerve. Voilà. Super. Et donc là les gens, notre tour d'observation, elle est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Et donc la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voulez, je peux vous conseiller un petit peu pour la tour de guet de rajouter un petit peu de déco. Donc je vais vous montrer. Regardez là, j'ai mis un peu de la terre un peu morte, des mauvaises herbes, des buissons. Les arbres autour, parce que j'ai dit que c'était une tour d'observation pour la forêt. Donc voilà, c'est des petites idées que vous pouvez rajouter pour votre mini-jeu ou votre survie grâce à cette tour. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, puis ça nous objectif 15 likes. N'hésitez pas à commenter, à partager aux amis et votre famille. Et moi, je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3, 4